Troisième groupe de ce petit report des meilleurs concerts de l'année 2016, avec cette fois-ci on passe un peu plus dans le métal, bon même si on n'est pas vraiment dans le métal, le stoner plutôt avec Fu Manchu, concert que j'ai été voir avec Maxime et Alexis d'ailleurs notre futur stagiaire chez Megitlin que vous allez bientôt voir dans un premier épisode qu'on espère qu'il vous plaira. Et donc voilà, on a été les voir à la maroquinerie de Paris, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a été les voir au Hellfest et qu'on avait pris une branlée, hein, tout simplement. Et quand on a appris qu'ils repassaient 2 mois plus tard, donc au mois d'octobre si je me trompe pas, on s'est dit on y va, tant pis, on s'en bat les couilles, on habite à Nantes mais on va faire 4 heures de route dans une Clio à 5 pour aller les voir et on n'a pas regretté notre voyage, hein, parce que déjà la maroquinerie, donc pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre à Paris et qui n'ont jamais vu la maroquinerie, c'est une... putain de très très bonne salle, hein, magnifique, Maxime, tu confirmes? Oui. Une super salle très très underground, très très sous-sol, vraiment une belle salle avec vraiment une identité. Et donc on a vu Fu Manchu avec un son magnifique. Le son était ultra propre, la fuzz était grasse et propre en même temps, c'était magique. Et donc ils ont joué l'album King of the Road en entier, et ensuite ont enchaîné avec des classiques comme Mongoose et Evil Eye, et j'en passais des meilleurs. Et c'était vraiment, dans ce petit univers, c'était vraiment le concert stoner qu'il fallait pas rater, je pense, sur Paris ce soir-là, parce qu'il y avait une telle énergie dans le public et sur scène. Les mecs commencent à avoir de la bouteille, hein, c'est quand même les papas de ce style. Mais malgré tout, ils continuent de bouger sur scène, à headbanger comme des porcs. On voit que les mecs continuent bien s'amuser. Bon, même si Scott Hill perd un peu de sa voix, ben, on peut pas forcément trop lui en demander. Il était quand même bien là encore, hein, quoiqu'un peu défoncé encore. Mais bon, c'est un peu le son à la Fu Manchu. Si vous connaissez pas, on vous invite à écouter ça. Hein, c'est du funk, du groovy stoner rock. On pourrait dire, oh, ça groove. C'est vraiment du bon rock'n'roll, bien gras, bien lourd, avec des... un petit peu punk sur les bords. Vraiment, on vous invite à écouter, mais c'était un de nos meilleurs concerts, enfin en tout cas à tous les trois. On est tous d'accord pour dire, c'est un concert qui nous a mis une grosse branlée, donc Fu Manchu à la maroquinerie.